Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tuto de la première page de notre grand album. Donc en premier je vous montre donc les plans de découpe pour vos différents papiers. Je vous laisse regarder. Alors voilà, on attaque à vos papiers, à vos scalpels, à vos tubes de colle. Donc on va commencer par la cascade dans laquelle vous pourrez mettre 4 à 8 photos. Donc là j'ai choisi de garder la bordure du bas de la page scrap parce que je la trouvais très jolie. Les togas ont toujours une très belle bordure sur leur feuille, donc celle-là je l'ai gardée. Alors désolé pour la luminosité, mais bon, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, dans le nord, on a un peu pourri. Donc côté lumière, bah, c'est pas top. Donc je suis obligée d'être à la lumière artificielle. Donc je vous laisse regarder, les mesures passent en bas. Hein. Je vous laisse regarder donc la découpe. Donc la base de la cascade est faite bien sûr sur du papier noir. Donc moi j'ai choisi le papier donc le Clairefontaine, hein, le pollen, en 210 grammes. Donc vous allez faire 4 fois, comme vous avez vu dans le plan, il faut faire 4 fois la même chose pour cette cascade. Et donc ce sont des
cascade, enfin le papier, c'est, donc c'est 14 sur 10 cm. Il y aura 2 cm à peu près, 1,5 cm, 2 cm pour le pli que l'on va faire passer à l'intérieur de la feuille. Vous verrez par la suite. Voilà, c'est là que je suis contente d'avoir reçu ma scarpale. Donc vous ferez les plis du haut à 2 cm. Donc ce pli va se retrouver, vous verrez dans le papier déco, on va faire une fente et le pli passera donc derrière la feuille déco. Mais bon, en image c'est beaucoup plus facile pour l'expliquer. Là, moi, je fais les angles en arrondi, mais bon, ça, c'est votre choix. Si vous voulez le laisser droit, ben, vous laissez droit. Ça, c'est pas... C'est parce que bon, moi, j'aime bien que ce soit comme ça, en arrondi. Puis, si vous n'avez pas la perfo pour le faire, bon, il n'y a pas de souci. Ça, vous êtes libre de laisser comme vous le souhaitez. Thank you.
Donc, idem pour le papier déco du dessus. Vous le faites en 4 exemplaires. Donc là, moi, j'ai choisi de le faire sur 4 papiers différents. Hein, vous pouvez faire pareil. Hein, 4 papiers pareils. Ça, c'est comme vous voulez. Hein, ça dépend aussi avec quel papier scrap vous allez le faire. Et je choisis un papier uni pour le dessous. Voilà, donc c'est un bloc déco aussi de Toga. J'ai plus le nom là, en tête. Je regarde si je l'ai. Oui, c'est la Vintage Collection. Donc là, on va attaquer la mise en place de la cascade. Donc je me suis mis à 1,5 cm ou 2 cm du bord. Je suis désolée, là j'ai un trou et j'ai pas noté. À moins que je mesure. Voilà. Alors par rapport au papier déco, je suis à 2 cm du bord. Donc vous allez marquer au crayon gris l'emplacement de votre cascade. Voilà. Pouvoir après par la suite faire la mise en place et faire les fentes, donc au cutter ou au scalpel comme vous voulez. Donc vous en faites 4 avec un écart de 2 cm entre chaque trait. Thank you.
là, lorsque vous coupez les fentes dans votre papier, faites bien attention de ne pas couper trop et aussi également de ne pas couper pas assez. Puisque si vous coupez trop, il va y avoir du jeu dans votre cascade, ça risque de bouger. Et si vous coupez pas assez, ça rentrera pas dedans, tout simplement. Voilà. Donc, bien suivre les mesures pour couper. Bien vérifier que vous êtes bien aligné pour pas qu'il y ait un décalage, parce que ça ferait pas très très joli. Et voilà ce que ça vous donne. Donc derrière, les plis se retrouvent à l'envers de la feuille déco. Donc vous allez mettre du double face un ras sur le papier déco, un ras du pli noir pour chacune des cascades. Voilà, bon, si vous voulez mettre de la colle, vous en mettez, hein. Mais bon, moi j'aime pas la colle, ça fait gondoler le papier. Thank you.
petit truc ici, c'est de mettre un bout de washi tape bah, pour pas que ça bouge sur l'endroit. Comme ça, le temps que vous collez vos papiers derrière, bah, moi ça ne bouge pas. Il n'y aura pas de décalage. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à enlever la protection de double face, puis le coller, tout simplement. Donc pas oublier de gommer vos traces de crayon gris parce que ce serait pas très joli. Voilà. Et toujours en appuyant un peu avec le pliloir pour bien marquer tous les plis. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir commencer à coller donc les papiers déco sur le dessus. J'oubliais, avant de coller le papier déco, vous allez mettre le premier aimant donc sur la première cascade du haut. Donc vous essayez de mettre à peu près à 1,5 cm, même 2 cm du bord bas de la première cascade. Voilà. Comme ça, elle sera bien cachée avec le papier déco. Voilà, et il y a Fifi qui vient me donner un petit coup de patte. Vous voyez, elle me gêne vraiment pas. Hein. Vous voyez, c'est vraiment. Je suis là, je ne bouge pas. Ma chipie. Donc, les aimants que j'ai utilisés, si vous ne l'avez pas dit au début, ce sont des 8 mm sur 1 mm. Pas prendre plus épais, 1 mm c'est ce qu'il faut prendre pour les albums. Donc là je prépare la languette qui va tenir la cascade fermée. Donc je la refais également dans du papier noir 210 grammes. Les mesures ne sont pas notées sur la vidéo, je suis désolée, mais bon, j'ai fait une longueur de 15 cm sur 4 de largeur. Mais vous l'avez dans le plan au début de la vidéo, hein. Tout est détaillé au début. Thank you.
on fait un double pli, j'ai marqué 5 mm, mais bon, à peine. C'est juste pour pouvoir marquer un peu l'épaisseur qu'il va y avoir donc avec cette cascade plus la feuille déco. Donc c'est pour pas que ça fasse trop serré. Voilà, donc on fait un petit pli. Donc que vous pliez bien, et bien marquer le pli toujours avec le pli noir. Enfin, les deux plis, puisque c'est deux plis, excusez-moi. Donc là, bien sûr, sur la languette, on va y mettre également un aimant. Donc faites bien attention avec les aimants. Hein. Il y a un côté pile, un côté face. Donc pour marquer le bon endroit, donc je mets mon aimant sur celui qui est déjà en place et je vais marquer l'emplacement donc avec un petit point de colle avec la languette. Enfin, j'ai dit un petit point de colle, mais dites qu'on en a trop là, le colle. Voilà, comme ça je sais exactement où je dois placer mon aimant de l'autre côté. Il avait vraiment mis trop de colle. Donc la petite partie qui reste sous les plis, bien sûr, va aller sous la feuille déco. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vérifiez bien la longueur d'abord de votre languette pour voir si ça va bien. Avant de faire les plis, avant de coller, avant de mettre l'aimant, quoi que ce soit, vérifiez bien la mesure auparavant. Voilà. Et là, bon, c'est pareil, hein, je crois de mémoire que je vais arrondir les angles, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser droit. Et bon, moi j'ai mis un papier envers, sur l'envers et sur l'endroit, papier déco.
Voilà, donc ma languette est terminée. Là, je peux maintenant passer à mes papiers déco extérieurs. Et ensuite, vous verrez que je mettrai mes papiers déco intérieurs. Donc pareil, s'il y a des petits traits de crayon, bah, vous pensez à les gommer avant, comme ça, c'est beaucoup plus propre. Donc j'ai tout collé au double face. Là, pour l'instant, pour vous donner un ordre d'idée, j'en suis arrivée à mon 6e rouleau de double face. Et on est qu'à la... j'ai attaqué la 2e page. Donc vous voyez, il y en a 8 à faire. Donc j'ai encore une bonne moyenne de double face à utiliser. Parce que la couverture n'est pas finie non plus, hein, je vous rappelle. La couverture, nous la terminerons donc à la fin de l'album. Donc le papier déco est mis de telle façon qu'il y ait à peu près 5 mm de chaque côté. On laisse dépasser 5 mm du papier noir. Voilà, chaque côté. Mais ça c'est comme pour tous les papiers. Hein. Il y aura toujours un écart à peu près de 5 mm. Et comme vous allez voir beaucoup dans mes vidéos, j'oublie souvent d'enlever le papier du double face de l'aimant. Donc je redécolle, heureusement. En décollant tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc on fait la même chose hein, pour le papier intérieur. Bon là moi j'ai mis donc du papier uni, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça c'est à votre choix.
Bon là, désolé, il y a eu une petite coupure dans la vidéo, mais bon, j'avais terminé. Donc voilà, les papiers extérieurs, intérieurs ont été placés. La languette est placée également. Voilà. Donc là, vous pourrez donc mettre soit 4 ou 8 petites photos. Et donc voilà, tout est bien collé derrière. Et là maintenant on va attaquer donc la deuxième partie de notre page qui sera faite donc avec une porte. Alors là, pour le papier déco, on va couper à 12 cm sur 16. J'espère ne pas m'être trompée au niveau des croquis que j'ai fait plus haut dans la vidéo. Mais c'est bien 12 cm sur 16. Et vous comptez donc 5 mm de plus de chaque côté pour le papier noir, plus 2 cm pour le rabat qui va se faire à la main. Pour tenir cette porte donc à l'intérieur, enfin à l'envers de la feuille déco. Voilà. Et là on a Fifi qui est revenue, voilà, donner un coup de main et vas-y, je fais des câlins. Non maman, je ne te gêne pas, regarde, je suis gentille, je te fais des bisous. Il nous reste Chippy. Thank you.
Donc ici, on va, pareil, on va marquer le pli à 2 cm. Comme donc ce pli va passer dans la fente que vous allez faire dans votre papier et sera fixé donc au dos de la feuille déco. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc on va marquer au crayon, comme pour la cascade, hein, l'emplacement de la fente que l'on va faire dans le papier. Donc là, à peu près, bon, avec le papier noir dessous, je suis à 2 cm en totalité. Mais niveau papier déco, puisque là, le papier noir n'est pas encore installé, je suis environ à 1,5 cm, 1,6 cm à peu près. Pour être bien placé au milieu, voilà. Bon, mais je me suis un peu basée sur la cascade pour que ce soit bien parallèle quand même. J'ai une chipie qui arrive. Alors là, ça s'installe carrément sur la feuille. Ah, je vous jure. Bon là j'avais un petit peu galéré parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment mesurer bien, ni trop ni pas assez. Et là bah, j'avais mesuré pas assez. Donc j'ai juste repassé un petit coup de scalpel à peine un millimètre pour que ça puisse bien rentrer. Donc on marque également l'emplacement de l'aimant, donc toujours au milieu, toujours environ entre 1 cm et demi, 2 cm. Et voilà ma grosse mémère qui revient et qui se roule carrément sur mon travail.
Ah, je l'assure. C'est pas facile avec elle, hein, des fois, pour travailler. Donc là, pareil, j'arrondis les angles que du côté ouverture, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je répète encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Qui a encore oublié d'enlever le papier du double face pour l'aimant, c'est Lilith. Vraie tête de Linotte. Donc pareil, moi je recouvre l'intérieur de la porte avec un papier uni, mais vous faites comme vous le souhaitez. Là, au niveau déco, je ne vous impose rien, hein. Vous faites les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc là, moi c'est mon choix à moi, après vous voyez ce que vous voulez faire. Toujours bien vérifier que vous êtes toujours bien parallèle, hein, que vous êtes toujours bien droit avant de coller définitivement. Parce que bon, bah, si la porte est de travers, ça va pas être top. Thank you.
Alors ici, on va faire. Alors je ne retrouve plus le nom. Comment ça s'appelle? C'est pas une cascade. On va faire un. Voilà, un carnet. C'est comme un carnet qui va se déplier en trois parties. Donc sur lequel vous pourrez mettre une, deux, trois, quatre, cinq photos. Et il y a, vous verrez, il y aura aussi un tag. Donc ça vous fera 6 ou 7 photos. Sans compter l'intérieur de la porte, où vous pourrez également en mettre une. Voilà. Alors les dimensions, là je vais vous les donner. J'aurais dû mesurer avant. Mais elles sont dans le descriptif hein, au début. Alors vous en avez une qui fait à peu près 16, je crois. Ouais, elles sont toutes à peu près de 16. À part une qui est un peu plus petite. Mais bon, vous retrouvez les dimensions. De toute façon, c'est pas difficile. Vous allez mesurer par rapport à votre porte. Mais vous allez réduire de quelques millimètres en haut, en bas, pour pas que ça dépasse, et également sur le côté. Comme ça, ce sera bien caché sous la porte. Voilà. Je suis pas claire, hein? Ah non, je suis pas claire. Je vous parle chinois aujourd'hui, je crois. Donc là, vous voyez, on se retrouve donc avec 3 feuilles que l'on va assembler, donc par le bas et par le haut pour celle du milieu, bien sûr, et qui seront repliées l'une sur l'autre. Donc bon, c'est pareil, là, c'est parce que je recoupe justement un petit peu celle du bas pour pas que ça se plie au pliage. Il faut que celle du bas soit un tout petit peu plus petite pour que ça ne gêne pas. Et le haut, le milieu et le bas. Donc là, on va faire des charnières toujours avec le même papier. Hein. Le noir, de toute façon, j'utilise toujours 210 grammes. Et donc là, on va faire des charnières de la largeur du papier, hein, de petit côté, largeur petit côté, et de 2 cm de large avec un pli à 1 cm. Donc vous avez besoin de faire 2 charnières. Bon là, bien sûr, vous allez mettre du double face ou de la colle, mais bon, moi, je reste sur mon double face. Donc, sur l'extérieur de cette charnière. Et moi, je vais couper un petit peu les angles de chaque bout, comme je fais toujours, pour que ce soit plus propre. Voilà, je vous laisse regarder comment je colle les charnières. Thank you.
suis désolée. J'étais un peu hors champ. Donc là, je vous explique, comme vous ne voyez pas bien, je suis vraiment désolée encore une fois. Je refais deux charnières. Mais ces... Pardon. Ces charnières vont venir désolée, sur l'envers de la page du milieu, donc en haut et en bas. Et vous n'allez les coller que sur une face parce qu'il y aura la deuxième partie va aller à... Vous allez faire deux fentes dans le papier déco et donc la deuxième partie va venir se glisser dans la fente et on collera sur l'envers du papier déco. J'espère avoir été claire parce que là avec le hors-champ, je suis vraiment désolée, je ne me suis pas aperçue. Mais vous allez voir après par la suite, je vous montre le résultat et vous allez comprendre ce qu'il faut faire et ce que je voulais dire. Encore désolée. Donc là, bon, je fixe justement ces deux nouvelles charnières et comme vous avez vu, j'ai mis du double face et j'ai quand même remis un point de colle parce que ça va être un peu lourd une fois qu'on aura mis les photos, donc je veux que ça tienne bien. Alors, je remets également donc sur l'envers, côté charnière de la porte, mais bon, sur les trois feuilles. C'est la feuille du milieu, voilà, je vais y arriver, je ne sais même plus vous expliquer, voilà, vous voyez. Parce que là, après, je vais faire glisser un tag quand tout sera installé. Et donc, on ne fixe que sur les deux petits côtés et un grand côté qui sera du côté de la porte, voilà. Et vous laissez l'extérieur non collé, puisque là, on va glisser un tag après. Encore toutes mes excuses pour tout ce hors-champ là sur cette période de la vidéo, mais je m'en suis vraiment pas aperçue tout de suite. Voilà, je me suis enfin aperçue que j'étais pas face à la caméra. Donc là, pareil, comme il y a on va faire des fentes, on va marquer au crayon gris l'emplacement des fentes. Alors vous allez devoir peut-être passer un petit peu sur la charnière de la porte, mais bon, c'est pas un problème. Donc, vous marquez bien en haut et en bas, et après vous pourrez refaire les fentes. Pour glisser pour mettre la fixation donc de ce petit carnet sur le dos de la feuille déco. Oh là là, je m'en mêle et je m'enfonce de plus en plus dans mes explications. Thank you.
là, on passe la charnière dans la fente fixée donc en haut et en bas. Là, j'ai un peu galéré parce que j'ai coupé trop loin, et ce qui fait que mon papier s'est coupé en deux. Mais bon, après c'est bon, avec le scotch j'ai réparé ni vu ni connu. J'avais oublié de faire un demi-cercle pour pouvoir attraper le tac que je vais mettre en dessous. Donc voilà, je le refais. Je scotche mes charnières sur l'envers pour que ce soit plus solide. Et là, je mets un peu washing tape, cabinet curiosité, pareil, pour que tout tienne bien. Et puis ça fait une petite déco supplémentaire.
Donc avant de mettre votre papier déco, ouais, vous n'oubliez pas de mettre votre aimant, hein, sinon vous ne pourrez pas fermer la porte. Donc voilà, j'ai fait comme tout à l'heure, un petit point de colle pour marquer l'emplacement. Et je fixe mon aimant et ensuite mon papier déco. Vous voyez que dans le bas de la feuille noire, j'ai mis un aimant et je viens de m'en apercevoir maintenant, juste un instant, que j'ai oublié de mettre l'aimant sur l'autre feuille. Donc c'est la feuille qui va venir au-dessus. Il faudra y mettre un aimant, donc là ce sera dans le, comme elle vient du haut, il faudra mettre un aimant dans le bas de la page pour que ce carnet puisse se fermer également. Et ben, je vais m'en apercevoir maintenant, donc moi il va falloir que je le rajoute, que je décolle un peu, je vois comment je vais faire. Je vais mettre avec un ruban ou une bordure, je vais voir comment je vais faire. Et donc vous n'oubliez pas de mettre le deuxième aimant, comme moi.
Donc voilà le résultat donc que ça donne avec la petite porte. Là, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 photos, même 6 avec la porte. Et donc il y a le tag qui arrive en dessous. Là je coupe le tag de mémoire, je crois que j'ai fait 12 11 sur 13, j'ai oublié de noter, mais bon là vous voyez vous par rapport à la pochette hein, en moyenne ça doit être ça, c'est vous pouvez faire 11 sur 14, voilà je crois que ça doit être 11 sur 14 cm. Bon, pareil, j'arrondis les angles, mais ça, c'est mon choix. Donc là j'ai percé parce que je vais y mettre après un petit ruban pour pouvoir mieux tirer le tag, ce sera plus facile. Vous verrez quand je ferai les décorations, ça je le ferai en vernis. Donc il ne nous reste plus qu'à fixer donc notre page déco sur la page support noire. Donc comme d'habitude, on blinde bien le double face bien partout ou de la colle, mais bon moi j'aime pas. Bien sur les bords surtout, mais vous en mettez vraiment partout pour que ça tienne bien.
voilà, notre première page est terminée, elle est fixée sur sa feuille noire. Donc je vous rappelle, il y a une cascade avec 4 pages, enfin 4 cascades, une porte avec la possibilité. Donc en tout, vous pouvez mettre une quinzaine de photos sur cette page, en comptant avec des petites. Voilà. Et ben, j'espère que cette première page vous a plu, que mes explications ont été quand même assez faciles, malgré mes bafouillages de temps en temps. Et le hors-champ, je suis vraiment encore désolée d'avoir fait une partie au hors-champ. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. J'y répondrai, bien sûr. J'espère que vous êtes nombreuses à refaire cet album, que je serai heureuse, comme vous savez, de le voir. Et ça, bon, une fois qu'on l'aura terminé, tous ensemble. Je vous laisse pour aujourd'hui. On va attaquer bientôt la deuxième page. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.